French Tweets is glad to promote French learning through live online classes for learners all across the world. Our live online French classes make it easy for beginners to learn this beautiful language from scratch. We have a dedicated and qualified team of French language experts who leave no stone unturned in delivering the best lectures. They are au courant with the latest teaching methodologies and are highly competent at teaching French for different levels. Whether you are a newbie in the world of French or almost fluent, you will always gain a lot of knowledge from our top-rated French instructors. TEF, TCF, TCFQ, TEFAQ, DELF or DALF, no matter what test you are preparing for, we have well-structured online live classes designed for each session. We make online classes fun and exciting for our learners by giving them a variety of exercises and activities that enhance your language skills up to the hilt. Join our French Tweets community of learners and learn anytime, anywhere. You can visit our website www.frenchtweets.ca to check out the course plan and class schedule for our upcoming batches. You may also opt for personalized learning where we can customize the plan as per your needs. Thanks for watching French Tweets. L'épreuve de l'expression orale de l'examen de TCF se divise en trois tâches. Tout d'abord, pour la première tâche, le candidat est demandé de se présenter, dont il doit parler pendant deux minutes. Ensuite, pour la deuxième tâche, le candidat est donné une situation sur laquelle il doit poser une dizaine de questions pour obtenir plus d'informations. Pour cette tâche, le candidat est donné deux minutes de préparation et devra échanger avec l'examinateur pendant trois minutes. Enfin, pour la troisième tâche, le candidat doit construire une argumentation en présentant le sujet. Aussi, le candidat devra argumenter pendant quatre minutes et trente secondes et ce, sans aucune préparation. Il doit présenter les avantages et les désavantages du même sujet et donner une conclusion à la fin. Bonjour madame. Puis-je entrer? Bonjour monsieur. Oui bien sûr, vous pouvez entrer. Asseyez-vous. Merci. Pourriez-vous vous présenter? Bonjour madame, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Robin, je suis indien, je suis né le 21 novembre 1983. Je suis professeur de français au niveau universitaire. J'ai fait ma recherche doctorale à l'Université de Montréal au Canada. De plus, je facilite l'enseignement de la langue française à travers le monde à l'aide de ma chaîne YouTube qui s'appelle French Tweet. J'habite en Inde, précisément à Chandigarh. Je suis marié et j'ai un enfant. Je parle anglais et français. Je parle aussi un peu d'espagnol. J'aime voyager et mon pays préféré est le Canada. Je voudrais passer cet examen afin d'être capable d'immigrer au Canada. J'aimerais vivre à Montréal car il fait beau temps dans cette ville. Durant le week-end, j'adore passer du temps avec ma famille et on s'amuse à regarder la télé ensemble, surtout les séries sur Netflix, et récemment j'ai regardé Squid Games. Le plus souvent, on sort manger dans un bon restaurant chinois, car on raffole des plats chinois. Merci pour votre attention, madame. Décrivez le dernier film que vous avez aimé. Le film que j'aime regarder tout le temps est un film canadien intitulé Good Witch. Ce dernier raconte l'histoire d'une belle femme qui s'appelle Casey. Elle décide de s'installer dans la charmante communauté de Middleton et d'ouvrir une boutique baptisée Belle, Book and Candle, proposant une myriade d'objets insolites. Elle possède des pouvoirs surnaturels, avec lesquels elle peut faire de la magie, surtout pour enlever la douleur, des gens de la société. C'est vraiment fascinant de voir comment Kessie change la vie des habitants avec son attitude positive. Quel pays voudriez-vous visiter? Pourquoi? Mon rêve serait de partir pour le Japon. Il se trouve de l'autre côté du monde, c'est un archipel dont l'île principale a la forme d'un petit piment. Je pense que là-bas il y a beaucoup, de grands et beaux immeubles, peut-être même qu'ils sont vitrés, et j'ai entendu dire que les rues sont toujours propres car les Japonais paient un amende chaque fois qu'ils crachent par terre. Je sais que les japonais cuisinent des yakitori et des sushis, je n'ai jamais goûté, mais ça a l'air délicieux. Les japonais possèdent également quelques porte-bonheur que je connais et que j'aimerais collectionner, dont le manekineko, neko qui est une statuette de chat ornée d'un pendentif qui bouge sa patte gauche de haut en bas on le met généralement dans la vitrine d'une boutique il doit apporter clients et richesse au magasin qui le possède alors je voudrais visiter le japon bientôt. our highly accredited online classes offer you the freedom to learn this beautiful and soft-spoken language from the comfort of your home. If you want to improve your oral and written communication for immigration tests like TEF, TCF, or TCFQ, then attending our live sessions will surely work wonders for you. We offer personalized training for mastering the speaking and writing strategies straight from global native experts. You may also connect to us through our website www.frenchtweets.ca to register and know about our classes for all levels and tests. We are glad to have your wonderful support and response. Like, share, and subscribe to our channel to stay updated with more such learning videos and exclusive study material.